Voilà, j'avais déjà quelques annonces. Donc, je fais un petit appel. Avant la messe, on prie le chapelet. Donc, c'est bien de venir une demi-heure en avance pour dire le chapelet, n'est-ce pas? Ça a plusieurs avantages. Premièrement, on vous dit tout le chapelet. Deuxièmement, le chapelet est dit devant les sacrements. Donc, vous avez une indulgence plénière. Ça veut dire, si vous l'appliquez à vous-même, vous mourrez, vous êtes directement au ciel. Une indulgence plénière, ça vaut la peine, n'est-ce pas? Vous pouvez aussi l'appliquer à des défunts. Donc, si vous l'appliquez à un défunt, il est directement délivré du purgatoire. Et troisièmement, vous risquez pas de venir trop tard à la messe. Donc, il y a plusieurs avantages. Et encore, l'avantage le plus important, c'est que vous allez à Jésus par Marie. Donc, en Pologne même, ils viennent une heure avant la messe, une demi-heure, ils disent le petit office de l'Immaculée, ils le chantent à deux chœurs, les laïcs, ensuite le chapelet, et ensuite, il y a déjà une sainte onction dans la chapelle avec la Sainte Vierge, et on est tout à fait prêt pour aller à Jésus à la messe, donc c'est magnifique. Donc, c'est pas obligatoire, bien sûr, mais c'est très beau, c'est magnifique, et voilà, ça donne une grâce supplémentaire à tout le monde. Voilà, aujourd'hui, l'Assomption de notre Seigneur fait d'obligation une des seules qui restent, avec bien sûr la Toussaint et Noël et l'Assomption. Parce que toutes les autres fêtes tombent un dimanche, comme la Pâque et la Pentecôte, bien sûr, alors obligatoirement. Les autres fêtes qui sont dans le droit canon ne sont plus obligatoires dans certains pays à cause du concordat. Donc, parce qu'il faut un jour chômé, donc il faut que les gens puissent aller à la messe, et ça dépend des pays. Donc dans le droit canon, il y a une douzaine de fêtes qui sont obligatoires, comme la fête Saint-Joseph, Saint-Pierre et Paul, l'Épiphanie, etc. Donc, mais c'est tombé dans nos pays, en Belgique et en France en tout cas, à cause du concordat Napoléon. Donc la Révolution française, qui s'est dit pour le peuple, elle a enlevé des jours chômés. Donc l'Église catholique est plus pour le peuple que la Révolution française. Vous avez plus de congés avec l'Église catholique qu'avec la Révolution, n'est-ce pas? Voilà, entre parenthèses. Donc, s'il convient, comme j'ai dit dimanche dernier, de commencer une novène de prière au Saint-Esprit. Une novène, c'est une prière de 9 jours, qui porte une grâce spéciale, bien sûr, parce qu'on est à 10 jours éloignés de la Pentecôte. Donc, pas dimanche maintenant, qui vient d'après quelques jours, mais dimanche après sera Pentecôte. Voilà, 10 jours. Après l'Ascension, il y a la Pentecôte. 10 jours après que Jésus est monté au ciel, il envoie le Saint-Esprit avec son Père. Lui et son Père envoient le Saint-Esprit sur terre. Et pour bien préparer la venue de cette personne divine, comme on a bien fêté la venue de la deuxième personne divine, à Noël, on fait quand même une grande fête pour accueillir la deuxième personne. Alors, maintenant, il y a une troisième personne qui est autant Dieu que les autres deux personnes qui va venir sur Terre. Donc, c'est quand même une très grande fête. Et cet hôte divin va rester parmi nous jusqu'à la fin des temps. Jésus est resté 33 années, dont 3 manifestement et 30 cachés. Mais là, il va rester Saint-Esprit jusqu'à la fin des temps. Et c'est réel. Et pas, il ne va pas rester parmi nous, mais en nous. C'est encore plus fort. Habiter notre âme par l'état de grâce. Donc, c'est un point important de préparer cette fête. Donc, on vous est invité, ce n'est pas obligatoire. Mais le pape Léon XIII, il a spécialement recommandé de l'invoquer spécialement en famille, par exemple.
en paroisse, en famille, si c'est possible encore. Sûr. Prier ensemble, ça donne plus de grâce que prier tout seul. Prier tout seul, c'est obligatoire, c'est nécessaire. Mais si on prie ensemble, Jésus dit, si on a deux ou plusieurs en mon nom ensemble, je suis parmi eux. Voilà. Donc c'est quand même très fort. Prier ensemble, ça pose la présence de Jésus. Voilà. Parce que Dieu est communauté. Voilà. Nous sommes pris à l'image de Dieu. Et Dieu est communauté, c'est trois personnes. Et nous sommes aussi essentiellement communautaires, dans le bon sens, sociables. On va ensemble au ciel, et malheureusement, il y en a qui vont ensemble en enfer. On entraîne les gens vers le bien, vers le mal. Et faites vers le bien, bien sûr. Vendredi, fête la Sainte Vierge demain, donc fête la Bienheureuse Vierge Mère, Reine. Et samedi, Sainte Angèle Mère ici, premier samedi du mois, et dimanche prochain, dimanche après l'Ascension. Voilà. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, cette fête de l'Ascension, elle a sa grâce particulière, comme toute fête liturgique. L'année liturgique, c'est un cycle, et comme le printemps donne autre chose de la part de la nature que l'automne et l'été, bien, c'est encore plus dans l'année liturgique. Je viens de parler de l'incarnation. Bien, l'incarnation, ce n'est qu'un début, le démarrage de ce qui va arriver. L'œuvre par excellence, c'est la rédemption, c'est Pâques. Jésus qui paye le prix, c'est pas à coûte de sa vie. Donc c'est incroyable ce qu'on a vécu dans la Semaine Sainte. Ça reste un mystère de comment un Dieu se fait homme pour se faire martyriser comme un esclave criminel, c'est pas, pour notre amour, pour nous sauver, pour notre place, prendre la faute sur ses épaules. Et maintenant Jésus, pour amour de nous, parce que c'est mieux pour nous, il dit c'est mieux pour vous que je m'en aille. Donc c'est encore pour nous faire du bien qu'il s'en va. Justement, j'ai donné une indication là tantôt, je parlais de Saint-Esprit, c'est qu'il était, quand il était visible, il était parmi nous, Emmanuel, c'est parmi nous, mais il va faire place pour qu'on se concentre sur Dieu en nous. En nous. Et forcément, il est en nous comme un esprit. C'est évident. Pas comme une personne humaine, c'est pas possible. Donc, mais il est en nous comme un esprit. Quoi qu'il sera encore en nous, il va faire une chose incroyable, inimaginable, inouïe. Il va encore être comme nous avec son humanité, mais sous des espèces sacramentelles, avec la substance de son corps. Donc il va faire tout ce qu'il... Donc il va rester sur terre, Jésus, hein, mais d'une manière spirituelle. Voilà. Il va envoyer le Saint-Esprit, qui va s'occuper de nous par préférence. Lui, il donne plutôt les grâces, il les mérite, et le Saint-Esprit les applique et les développe. C'est la, disons, c'est le, Jésus, c'est le, l'été, disons, enfin, la croissance de, disons que la Noël, c'est le printemps, et que la rédemption, c'est l'été, ce travail est fait, mais puis c'est les fruits. À la fin de l'été, c'est les fruits. Et les fruits, c'est le plus important, finalement, de l'arbre. Donc, c'est, eh bien, c'est le Saint-Esprit qui va faire ce travail. Il va donner les fruits de la rédemption, de l'incarnation de la rédemption. Et Jésus s'en va. Mais c'est pas seulement qu'il s'en va pour que ça soit mieux pour nous. Pour nous, c'est mieux. Ça nous rend capable de plus nous spiritualiser, de ne pas s'occuper du corps de Jésus, du corps divin, mais de l'âme et de sa divinité. Le but de notre vie, c'est Dieu. Le ciel, c'est vivre avec Dieu. Donc, son corps, sa visibilité, fait place pour son esprit, qui est la substance divine, finalement. Et il s'agit de cela, une relation avec Dieu. J'en ai parlé dimanche dernier. Alors, il va faire place pour cela, mais aussi
Et en même temps, autre chose dans l'ascension. Pour lui-même, pour la personne divine, mais dans sa nature humaine, c'est quelque chose de spécial. Pas pour sa personne divine, pas pour sa personne en tant que divine, dans sa nature divine, la personne. Parce que Dieu est inchangeable, par perfection. Il a tout, il est tout. Mais dans son humanité, il y a des changements. Il a été crucifié et mort, il est ressuscité, c'est des changements extraordinaires. Son corps et son âme étaient séparés, ils sont devenus ensemble, mort et résurrection. Et ensuite, maintenant, il va s'en aller au ciel. Il va s'en aller, c'est le triomphe, c'est la finition de son travail, à lui, la deuxième personne. Parce qu'il va faire place, comme je viens de dire, à la troisième personne. Et du ciel, il va continuer son travail, mais différent. Il va rester prêtre, et il va être prêtre par excellence. Il va exercer sa prêtrise totalement, déployer une manière extraordinaire, sa prêtrise. Jésus est souverain prêtre. Le prêtre, c'est le médiateur entre l'homme et Dieu. Eh bien, c'est lui. Il est médiateur. Saint Thomas dit que l'essentiel du prêtre, c'est être médiateur. Alors, le médiateur, c'est de traiter entre deux parties. Deux parties souvent opposées. Et l'opposition, c'est le péché mortel. Voilà. Il y a deux parties. Dieu, la Sainte Trinité, et l'humanité. Dieu créateur, l'humanité créée. Dieu qui fait des manifestations, des réalisations de sa bonté, création, rédemption, glorification, et puis l'humanité qui l'accepte oui ou non. Incroyable. Eh bien, le médiateur, pour bien faire l'intercession entre les deux, mettre des accords, le but de du médiateur, c'est d'arriver à un accord. C'est ça le but. Eh bien, l'accord, c'est le testament, le Nouveau Testament. C'est un accord, testament. Et voilà, tout est là. Et le médiateur, il va faire des accords. Pour faire des accords entre deux parties qui sont plutôt opposées, le médiateur doit être bien avec une partie et bien avec l'autre partie. Parce qu'il faut des points de contact. Donc, de plus que la partie est bonne, le médiateur est bien avec les deux parties, de plus que c'est un bon médiateur. Eh bien, Jésus est un médiateur par excellence, parce qu'il est bien avec Dieu, parce qu'il est Dieu, et il est bien avec les hommes, parce qu'il est homme. On ne peut pas être plus avec les deux parties qu'être les deux parties en même temps, et les unir en soi dans une personne. Donc l'union entre Dieu et l'homme est déjà en Jésus-Christ. Il suffit de l'appliquer aux autres. Alors il vous invite, croyez, et gardez, unissez-vous à moi, n'est-ce pas? En tant que Dieu, en pensée, croyez, en volonté, faites, et en recevant la rédemption, les grâces de la rédemption par les sacrements. C'est sa mission finale. Allez enseigner, faites garder mes commandements, baptiser. Et toutes les nations, pas seulement les Juifs, n'est-ce pas? Au début, il va dire aux apôtres, allez en Judée, pas en Samarie, pas chez les gentils, chez le peuple élu. On commence là, parce que c'était le peuple qui était le mieux préparé pendant 2000 ans, à partir d'Abraham. Donc il va d'abord là pour que l'établissement de son église se passe bien. Eh bien, c'est bien passé, tout s'est bien passé pour l'établissement de l'église. Sauf Judas, mais oui, il y a toujours des traîtres, ça, c'est presque inévitable. L'homme a une volonté libre, il y a toujours qui s'en vont, n'est-ce pas? Mais pour le peuple, vous savez, ça n'a pas bien marché, il n'y a que 8000, des millions de juifs qui étaient là qui sont convertis. C'est malheur pour vous, parce que Jésus dit, si vous ne croyez pas, vous serez condamnés, c'est dans le texte aujourd'hui. Il y a cet incontournable. Jésus, on ne peut pas être neutre. On est pour lui ou contre lui. On ne peut pas dire je suis neutralité, liberté.
Si vous dites déjà que vous êtes neutre, vous êtes comme Ponce Pilate, vous êtes complice contre lui. Je suis neutre, je lave ma main en innocence. Mais il n'est pas innocent puisqu'il a le pouvoir. C'est lui qui décide s'il va être condamné ou non. Donc c'est une illusion d'être neutre. Ponce Pilate s'est fait une illusion, il est coupable. Voilà. Excusez-moi, c'est un petit peu l'encens, mais... Alors, Jésus monte au ciel pour envoyer le Saint-Esprit. Et ensuite, lui, il va entrer dans son triomphe. Je viens de parler de son fonction de grand prêtre. Mais ce que dit surtout la tradition et ce qui est dans le credo, il est assis, enfin dans certains credo, il est assis à la droite du Père. La droite du Père, c'est qu'en tant qu'homme, bien sûr, parce qu'en tant que Dieu, il est aussi majestueux que le Père. Mais la droite du Père, c'est la place d'honneur, de puissance, la place la plus haute, la place du plus puissant. Il est maître, il est roi, il a pris trône, c'est son trône de roi de l'univers. Voilà. Au-dessus de tous, même au-dessus des anges. Au-dessus des anges. Et c'est ça ce que Lucifer n'a pas voulu accepter. Qu'un homme soit au-dessus de lui. Et c'est damné, n'est-ce pas, Lucifer, à cause de ça. Il n'a pas voulu accepter la royauté d'un homme, mais qui est en même temps Dieu. Donc il va retrouver, c'est son triomphe. Aujourd'hui, c'est le triomphe, c'est la finition, c'est Jésus qui est récompensé déjà à sa résurrection. Mais maintenant, c'était pas encore parfait à sa résurrection. Parce qu'il est descendu aux enfers, le plus profond possible, mais pas là où il y a le diable, il n'y a rien à faire dans l'enfer du diable. Ils sont damnés, on peut rien faire là. Mais il est descendu autant que possible dans la limbe des patriarches. Alors il est allé les délivrer, ceux qui étaient morts, avant que le ciel soit ouvert par lui. À la croix, tout est accompli. Il est allé chercher dans les âmes qui étaient encore sorties du purgatoire, ou n'ont pas eu de purgatoire du tout, comme les saints martyrs, Jérémie, Isaïe, les prophètes, Saint Joseph, et il est allé les chercher pour les amener au ciel. Mais il ne les a pas amenés au ciel directement. Il les amène au ciel aujourd'hui. Aujourd'hui, il les amène dans le ciel. Donc, ils ont accompagné leur roi. Ils ont déjà vu le ciel d'une certaine façon. Parce qu'ils ont vu l'âme de Jésus qui est descendue aux enfers. Son corps était encore dans le tombeau. Et ils ont vu l'âme glorieuse. Alors, si on voit une âme glorieuse, si Bernadette voit la Sainte Vierge, c'est même pas une âme, mais un corps glorieux, on croit voir le ciel. Donc, ils étaient déjà, d'une certaine façon, dans le ciel. Ils l'ont accompagné pendant 40 jours, aussi des anges, pour l'honneur du Christ roi, déjà. Il y en a une cour. Le roi a une cour. Et maintenant, il les a amenés au ciel. Il amène les âmes au ciel, les âmes qu'il a sauvées. Alors, il faut voir ce qui se passe dans le ciel. La joie des anges, des milliards d'anges qui voient que les hommes entrent dans le ciel. Des âmes, bien sûr, mais des hommes qui vont les joindre. Et qui vont remplir les places qui sont vidées par les anges, qui sont des démons, qui sont damnés. Qui prennent les places. Donc le ciel commence à se remplir. Voilà. Mettez-vous là, mettez-vous là. C'est Jésus qui va juger. Hein. C'est lui qui juge encore. Voilà. Donc c'est une très grande fête parce que c'est la fin de tout son cours de vie ici sur Terre. Ça a commencé avec l'Annonciation. L'Annonciation à la Sainte Vierge, il a été conçu dans la Sainte Vierge,
Son corps et son âme étaient criés. Et maintenant, c'est la fin de sa vie sur terre. Et ce triomphe, aussi pauvre qu'il est né à Bethléem, entre un bœuf et un âne, dans une étable, n'est-ce pas? Et aussi méprisé, il est mort. Alors d'autant plus, dans la même proportion, et encore plus parce que Dieu est généreux, il est maintenant récompensé. Alors ça va nous réjouir, n'est-ce pas? Et ça va nous réjouir. Mais il y a encore autre chose. Quand il va là, c'est toujours pour nous. Tout ce que Dieu fait en dehors de soi-même, ça veut dire en dehors de la Sainte Trinité, c'est pour par bonté pour la créature. C'est encore une bonté de créature qui va dans le ciel. Pourquoi? Pour nous préparer une place. Et pour poser notre cœur dans le ciel. C'est dans les prières d'aujourd'hui. Que nous soyons avec notre cœur, avec lui dans le ciel. Notre amour est dans le ciel. Jésus, notre amour. Jésus, c'est Dieu visible. Si on pense à Dieu, c'est difficile de penser à lui comme un esprit. Donc quand même, on va utiliser, si on peut le dire, son humanité pour justement se mettre dans l'ascenseur vers Dieu. Jésus, c'est toujours l'ascenseur vers Dieu. Pour méditer sur Dieu, méditer plutôt sur Jésus. Comme il dit à Nathanaël, si vous m'avez vu, vous avez vu mon Père. Mais en même temps, il spiritualise notre esprit en allant au ciel et disparaître à la vue et à nos sens. Donc, ça me pose notre âme dans le ciel, ça nous aide à méditer Jésus dans le ciel. Et maintenant, encore plus, la Sainte Vierge, dans le ciel. Et probablement, Saint-Joseph, son corps, je veux dire. C'est pas un dogme, mais c'est dans... Certains saints l'ont dit, certains docteurs l'ont dit que Jésus est aussi... Joseph est aussi allé au ciel. Mais en tout cas, c'est certain, c'est Jésus et Marie. Alors, on monte avec lui au ciel pour mettre là notre espoir et être détaché des choses du monde. Et de n'avoir moins d'occasion de pécher, parce que le péché, c'est la tâche désordonnée aux choses. C'est la définition du péché. Vous voyez, c'est une grande fête, et nous avons l'espoir d'arriver là où lui est arrivé. Puisqu'il est la tête du même corps, nous appartenons au corps de l'Église, mystique. C'est un corps mystique, moral, un corps moral. Bien, voilà. Donc, si la tête est là, les membres vont arriver là aussi. C'est le but. Nous avons les grâces suffisantes. Voilà, c'est ça le grand triomphe d'aujourd'hui. Le triomphe de Jésus-Christ. Il est assis à droite de son Père. Il a tous les pouvoirs. Et tout, il communique à nous. Tout ce que j'ai, je vous donne. Tout ce qui est à moi, je vous donne. En tant qu'homme, bien sûr. Donc il communique son sacerdoce. À la messe, à la consécration, c'est Dieu qui va changer le pain, c'est pas le prêtre, bien sûr. Mais le prêtre va être un instrument. Mais le vrai prêtre, c'est celui qui a la droite du Père. Il va intercéder pour nous. Et voilà, notre joie et notre espérance, c'est Jésus qui est retourné vers son Père pour recevoir la gloire. Et d'intercéder pour nous, pour que nous aussi, nous méritions le ciel. Nous méritions d'une manière, de façon impropre, parce que c'est lui qui a tout mérité. Nous ne pouvons pas mériter le ciel, au sens propre. Mais ça veut dire, mériter, ça veut dire ne pas rendre indigne des promesses, des grâces que Jésus-Christ a obtenues. Voilà, donc c'est une fête de très grande joie. C'est le triomphe de Jésus. Et nous sommes encore dans l'Église combattante, militante, souffrante. Enfin, vous savez qu'on souffre, on a quand même sur Terre. L'Église souffrante, bien sûr, c'est le purgatoire. Mais aussi sur Terre, on souffre. Maintenant, c'est la persécution qui est dans l'Ouest, pas encore sanglante, mais c'est quand même une persécution réelle. Le groupe le plus persécuté dans le monde, ce sont les chrétiens. Il y a toujours des martyrs. Avant, c'était le communisme, maintenant c'est l'islam qui tue des chrétiens presque tous les jours. Et nous sommes ici persécutés. Je suis ici dans une maison, quoi qu'il y a des églises.
Mais en France, on brûle les églises. On les brûle. Et oui, c'est pas seulement Notre-Dame, c'est spectaculaire, mais il n'y a presque pas une semaine où on brûle une église. Une grande église en France, on n'en parle plus. C'est comme on brûle 200 voitures au nord, on n'en parle plus. Ça ne vaut plus la peine. Et ça se fait à la dérobée. On est en train de se débarrasser des signes visibles du christianisme. Des signes. L'église, c'est le signe le plus patent du christianisme. Et même les communistes n'ont pas voulu toucher à cela. Si les communistes, j'étais en Russie, j'étais en Russie avant le Glasnost, pour aider les chrétiens, les spingulaires en tourisme, et qui apportaient de l'argent, l'information, etc. Il n'y avait rien d'autre à faire, c'est très utile. Je n'étais pas encore marié, alors ça va. Sinon, la femme voulait pas partir, elle a peur. Alors, j'ai vu là, de mes propres yeux, que les communistes respectaient les chefs-d'œuvre du christianisme. La cathédrale Isaac, c'est un chef-d'œuvre, ils ne l'ont pas touché, ils l'ont même restauré, par respect de l'art. Ils ont détruit des églises de moindre valeur. Mais ici, dans l'Ouest, on détruit même les bijoux. Ils ont détruit un chef-d'œuvre extraordinaire en Londres, en 76. Un chef-d'œuvre de néo-gothique hollandais. C'est un joyau, c'était magnifique. Ils ont détruit parce que c'est un symbole du triomphalisme catholique qu'il faut faire disparaître. Du triomphalisme catholique. Vous vous rendez compte? Eh bien, on continue. On enlève les signes, on sent très bien la haine qui est par derrière, la haine du christianisme. Donc nous sommes persécutés par le dragon, par le serpent, par le diable même, n'est-ce pas? Et c'est suppos par les hommes qui se laissent prendre par cette haine du christianisme. C'est une haine inexplicable. Elle n'est pas rationnelle, pas raisonnable, mais elle est réelle, malheureusement. Donc c'est la haine. Donc ça continue. Mais nous ne devons pas désespérer. Nous avons le triomphe. La preuve, c'est que Jésus déjà a le triomphe. Il communique. Et il est allé au triomphe. Comment est-ce que Jésus s'est assis à la droite du Père? Mais en passant par le vendredi saint. Vous avez vu ce que Jésus a souffert sur le vendredi saint? C'était le roi des rois, le grand prophète, le Messie. Il était tué comme un esclave criminel. Les apôtres disaient, c'est fini, c'est fichu, n'est-ce pas? Et maintenant, on est perdu. Mais c'est par ça qu'il a mérité. C'est par ça qu'il a mérité le triomphe qu'il a aujourd'hui. C'est par ça. Et pour nous, ce n'est pas autre chose. Si nous acceptons les souffrances, ils ne seront jamais vaincus parce que l'âme est l'Esprit Saint. L'âme de l'Église, c'est Dieu. Qu'est-ce qui est plus fort que Dieu? Eh bien, si nous sommes en ordre avec Dieu, si nous sommes l'Église, notre âme est l'Esprit Saint. L'âme de notre âme, je veux dire. Ce qui est dans notre âme. L'Esprit Saint. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire en sorte que vous êtes avec l'Esprit Saint. Comment faire en sorte que vous êtes avec l'Esprit Saint? Eh bien, Jésus montre le chemin. Il dit, croyez comme Dieu. Donc, ayez la foi. Faites comme Dieu le veut. Gardez les commandements. Et utilisez ses moyens, les grâces qu'il vous donne. Donc il faut rester dans les temps de persécution, fidèle à la foi, fidèle au commandement, fidèle à la liturgie. Et alors vous êtes dans la vraie Église, même si petite qu'elle soit, elle est indéfectible. Rien ne peut manquer à l'Église. C'est une œuvre divine. Quand Dieu fait quelque chose, c'est parfait. C'est parfait. Alors rien ne peut manquer. Donc même s'il est petite, c'est pas la quantité, je viens de dire toujours, la quantité, ça dépend des hommes. Mais l'existence et la qualité dépend de Dieu. Et lui, très second messe. Nous, on s'en fiche, il y a des apostasies. Maintenant, c'est énorme, l'apostasie des hommes. Ils se laissent prendre par les francs-maçons et l'influence dans les libéraux, ils se laissent prendre. Donc la quantité dépend de nous, de notre bonne volonté. Mais l'existence de l'Église, c'est tout ce qui est là, l'indéfectibilité et l'infaillibilité, eh bien, ça, c'est Dieu, on est garant. Voilà. Alors, il ne faut pas avoir peur. L'Église va toujours être là. Et faites en sorte que vous appartenez à cette Église. Faites en sorte que tout, c'est votre
bonheur, il dépend. Il faut aller là où Jésus est maintenant. Allez là, c'est là le bonheur. Et tout le reste, et vous êtes vainqueur. Jésus vous donne les grâces suffisantes. C'est ça la bonne nouvelle. Jésus est déjà arrivé, il nous attend. Et de loin, de haut, il est Dieu, il voit tout, il distribue les grâces. Il connaît toutes nos souffrances, il connaît toutes nos misères, il nous connaît mieux que nous-mêmes. Mieux que nous-mêmes. Voyons cette confiance, demandons à la Sainte Vierge pour bien comprendre ces vérités qui nous dépassent d'une certaine façon, mais quand même, qui sont claires, autant claires pour survivre. Jésus donne la foi et c'est suffisant il donne assez pour y arriver. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, merci.